Et c'est reparti mon kiki, comme on dit, une fraction de seconde, le chapitre. Vous avez vu, il y a plein de choses que je n'ai pas. On va choisir des autres embranchements. Vous voyez, il y a plein d'autres embranchements que je n'ai pas fait dans ce jeu. Donc je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire des autres choix. Je vais essayer de faire des autres choix. Ça va pas être évident. Ok. Allez, on fait lancer le chapitre. Chapitre, combien des images explicites du suicide? Oui, jouer la scène. Ah oui, c'est le père qui se suicide. Allez, c'est chapitre 3, les gars. Emmenez le corps. Bon, ils l'ont exécuté. Ah oui, il va y avoir que des morts dans cette version aussi que je fais. La plupart des gens vont mourir. Enfin, je fais les mauvais choix. Qu'est-ce que t'as fait? Il est parti. C'est fini. Je sais. Mais t'as... Tais-toi. Emmène le corps derrière. Quelle nuit de cauchemar, bon Dieu. Faut pas que je me trompe de choix, maintenant. Zoé les a vu tuer Dale. Elle était là. Dans une voiture de police. Elle est en sécurité, hein? Quelqu'un s'occupe d'elle? Je confierais même pas une peluche à un flic, personnellement. Papy. Je suis sûr qu'elle va bien. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à Ash, moi? Pauvre gosse. Bip bip. Find my book, alors ce carnet. J'ai déjà regardé. Il est pas là. Il est pas là le patron. Écoute. Ta fille va bien. Et je veillerai sur elle. Eh salaud, il fait de la menace. Mais il me faut ce carnet. Maintenant. T'étais avec lui. Tu savais ce qui allait arriver, hein? Au dernier moment seulement. Pas avant de voir le sniper. T'avais vu quelque chose? T'aurais pu le prévenir. Et Josh, tu l'as prévenu peut-être? Au moins Dale savait ce qu'il risquait. La prochaine fois que tu vois un flingue pointé sur nous, tu nous préviens. Ou tu seras le prochain. Laissez ce truc tout de suite. Ah, c'est la mère. Madame, la police est en cours d'intervention. Shérif, est-ce qu'on doit l'arrêter? Sharon, t'as pas le droit de... Qu'est-ce que t'essaies de faire au juste? C'est mort. C'est mort. Tante, je t'en prie. Il y a mes fils à l'intérieur. Et ils seraient pas venus chez moi sans que tu sois au courant. En plus, tu tombes assez mal. La soirée a été plutôt compliquée. Écoute-moi. Si tu veux qu'ils sortent, laisse-moi entrer. Centrale, attendez, se passe quelque chose. Pardon, excusez-moi. Shérif? Sharon, t'as pas intérêt à me le faire regretter, hein? Oh la petite, elle voit tout quoi. Allez, dépêchez-vous d'ouvrir avant qu'il change d'avis.
fais là? Bonsoir, maman. Bonsoir, Poussin. Et Dale? Il est mort. Oh, Seigneur! Je suis désolé, maman. Je t'avais dit de veiller sur lui. Sharon, je... Je suis désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était Romero. On voulait un hélico, il a insisté pour négocier dehors. Il y avait un sniper. Quoi? Il l'a fait sortir pour l'abattre comme... comme un animal? C'est ça. Vous avez quelque chose à dire? Non. Rachel Marceau? Vous pensez que Dale l'a bien cherché, hein? Personne ne mérite de mourir. Pas comme ça. Votre nom? Vince. C'est un père de famille. Il sait pas se tenir tranquille. Jamais il la boucle. Et il a laissé Dale se faire tuer. Un père de famille, hein? Je vois. Tu penses peut-être que mes garçons sont des monstres, mais on a tant perdu. Et Dale, je refuse de perdre un autre enfant. Alors tu m'aides à protéger ma famille. Ma et famille. Moi, je t'aide à sauver la tienne. C'est d'accord? Parlez du bip bip. D'accord. Alors voilà. Le shérif, il m'a donné quelque chose. Un genre de beeper. Attends, quoi? Il veut un carnet que vous avez volé, apparemment. Et si je le récupère pas... Tu roules pour les flics? Eh hey, non! Attends! Oh! On se calme! Tyler, double la solde! Tu le lâches tout de suite. Je lui ai donné ma parole. Dante essaie de se servir de toi, mais tu te retournes contre lui. Pourquoi? Écoutez, je connais pas toute l'histoire. Mais j'ai parlé au shérif et je le sens pas du tout. T'es perspicace, il faut le reconnaître. Enfin, pour ce que ça change. Tyler, faut qu'on parle en privé. Cet imbécile de Dante croit que je l'aide. Jay, Poussin, t'en fais pas. On va te sortir de là. Poussin. Bon, c'est quoi ce tu bon veux les aider? Pour l'instant, Dante croit que je suis là pour faire son job. Mais il va pas tarder à percuter. C'est parti en couille, moi. Je te jure. Ils veulent la c'est même comme chose que les dieux. On voulait faire pour sortir bas, d'ici en vie. Et tant que Romero en est marre de tourner bien en sûr rond. Mais au lieu de ça, ce que je veux dire, c'est que t'as le choix entre la peste et le choléra. Si tu prends parti pour un camp, l'autre va se foutre en rogne. Tu m'as dit que Dante a parlé d'un médecin. Tu crois que ça va aller pour Zoé? Après tout ce qu'elle a vu. Ah oui. Je ne sais pas. Je sais pas trop. Hier encore, c'était une petite fille insouciante. Mais là... On l'a fait sortir aussi vite qu'on a pu. C'est l'essentiel. Ouais, elle voit quand même ce qui se passe dehors, quoi. Allô, shérif ? C'est Sharon. C'est Sharon ! Écoute-moi, nom d'un chien. Laisse tomber l'hélico. Ce qu'on veut, c'est un bus. Avec assez de place pour nous et les otages. Ils viennent aussi ? C'est plus sûr comme ça. Ouais, ouais, je sais. C'est ma faute si tu gobes n'importe quoi. Stop, tais-toi et écoute-moi. Si ça dure jusqu'au matin, la police d'État va se pointer, ou peut-être le FBI. Et on sait tous les deux que t'as aucune envie de les voir débarquer sur ton territoire. Ah, ce sera pas un problème. Rappelle-moi quand c'est bon. Hé, hey, t'as quoi dans la poche ? C'est... juste un livre. Sur les oiseaux. Ah, on dirait un rangement secret. Poussin, où t'as trouvé ça? C'était au shérif. Je pensais que... Il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Tu l'as pas fait tomber quelque part? Dans la voiture. J'en sais rien.
J'ai pas regardé depuis qu'on est arrivé au motel. Ça a dû rester dans la voiture derrière. Mais Romero a un sniper en hauteur. On peut pas y aller. Lui ici. Moi ? Tu roules pour nous maintenant, Vince. Jay, tu y vas aussi. S'il tente quoi que ce soit, fais le nécessaire. Une semaine plus tôt, To Rock County. Je balaye et j'appuie. Quand tu regardes le ciel, tu veux dire des lignes en zigzag et des petits points? Ouais, ça m'arrive quand je regarde des oiseaux, des fois. Bon, le papy va arriver, hein, papa. Ah, bande de sales gamins, qu'est-ce que vous foutez là? Vous n'avez pas fini de toi? Tiens. Ah ben, c'est du joli. Vous dérange pas, j'espère. Pas. Ben, dis pas bonjour à son vieux père. Oh, et merde. La fête est finie. Hé, les gars. Vous avez fini le toit, je suppose. Vu que je vous entends glousser comme des bonnes femmes. T'as qu'à regarder. On se débrouille très bien. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Jake a fait ça. Tout le mérite lui revient. Eh ben, t'es peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais tu t'en sors mieux que tes frères. Et tu bosses plus vite, je parie. On serait allé plus vite si t'avais filé un coup de main. J'avais des trucs à faire en ville. Et combien t'as perdu cette fois? Viens, Jay. T'es pas encore trop vieux pour une roast, Tyler. Fous-lui la paix un peu. Fais-moi plaisir, fiston. Viens pas t'en mêler.
j'étais gamin et que mon paternel ôtait sa montre. Je savais que c'était pour me coller une dérouillée que j'étais pas prêt de plier. Tiens-moi ça. Vous êtes en train de vous battre cette fois. Rien. Je félicitais juste les garçons pour ce beau boulot. Je t'ai pas entendu arriver. Pourquoi? Tu voulais me dérouler le tapis rouge? Pour que tu viennes tout salir avec tes godasses? Crois-moi, j'ai autre chose à faire que nettoyer derrière toi pour la énième fois. Bon, quelqu'un va se décider à me dire ce qui se passe, nom d'un chien. Jay? J'ai attrapé des lapins. Merci, Poussin. Tu penses toujours à nous. T'es pas obligé de protéger ton père. J'ai pas assez cuisiné pour 5. Alors si tu veux déjeuner, tu te débrouilles. Pas la peine. J'ai plus faim, en fait. Jay, emmène tes lapins à l'intérieur. Je les préparerai plus tard. On arrive tout de suite. Je vais nous chercher à boire. Ah, il y a une voiture. Il y a le mec de la mafia qui est là. Vous êtes qui? Méline Black. Bonjour, petit. Je travaille pour les connaissances professionnelles de ton père. Ça sent bon. C'est une maison bien tenue, ça se voit. Maman aime que ça reste nickel. Chaque chose a sa place. C'est bien. C'est important d'être organisé. Laisse-moi deviner. Tu m'as l'air trop jeune pour être Dale. Et Tyler est beaucoup plus grand, d'après ce qu'on m'a dit. J'en déduis que tu es Jay. J'ai une réclamation à transmettre. Une quoi? Est-ce que ton père est là? Il est passé, mais vous l'avez loupé. Ah, zut. C'est bien dommage. Mes employeurs sont terriblement pressés. Ils voudraient recouvrer une certaine somme. Je peux? Si vous voulez, mais évitez de mettre des cendres par terre. J'étais pourtant sûr d'avoir des allumettes. Écoute, fiston. Je suis pas quelqu'un de violent, mais les gens pour qui je travaille, s'ils tombent pas, ne payent pas ses dettes de jeu, intérêt compris, il va avoir des ennuis d'un tout autre genre. Ça me regarde pas. C'est son problème. Peut-être, mais les enfants paient les péchés de leurs parents. J'en ai peur. Pas mal, c'est une Suisse. À ton poignet. On dirait une montre de collection. C'est à toi? Non. Et elle doit pas valoir grand-chose. Peut-être qu'on peut s'arranger. Tu me donnes la montre et moi, je parle à mes patrons pour leur expliquer la situation. Tu peux voir ça comme un geste commercial. Qu'est-ce que tu en dis? Finalement, tu dois bien être le seul qui a un peu de chijote. Jay, j'ai oublié cette saloperie de montre. Hey!
chez moi et tu retournes dans le trou à ras d'où t'es sorti, salopard. Creusez votre propre tombe, Holt, et vous emporterez votre famille avec vous. On se reverra. C'est ça. Si je m'envoie ici, toi et tes crevards de copains, je vous crame vivant. Tu t'es laissé impressionner par cette charogne? Chez toi en plus? Non mais tu te fous de moi ou quoi? Je suis désolé. Hein? Comment ça t'es désolé? Che, où t'as foutu ma montre? Je lui ai donné. Oh, je croyais bien faire. Ah! Mais c'est pas vrai, on... Mais c'est pas vrai, on... C'était qui? Un témoin de Jéhovah. Prends-moi pour une imbécile. Jay, c'était pourquoi? Pour l'amour de Dieu, Jay, j'ai le droit de savoir ce qui se passe sous mon propre toit. Il voulait de l'argent. Jay... À cause d'une dette de jeu. Il dit qu'on aura des ennuis si on paye pas. Mais c'est pas vrai, Bert. Combien? Je vais régler ça. Et comment? En disparaissant encore? Bert, je te parle. C'est pas ton problème, j'ai dit. Mais c'est encore moi qui vais devoir rattraper le coup. Si tout ce que tu trouves à ramener, c'est des ennuis, pourquoi tu te donnes la peine de rentrer à la maison? On n'a plus rien. Il arrive encore à nous dépouiller. Ça va aller, moi. Ça va aller. Retour au motel. Motel avec piscine? Derrière, c'est ça. Ouais. À l'écart de la route. Vais sur le toit, tirez pas. N'aie pas peur. Ça va le faire. Ah, c'est dur. Désolé, j'avais pas vu ton message. Ça va? Je pète la forme. Dis, t'étais assis où? Un peu partout. Vous regardez à l'avant, je cherche à l'arrière. Allez, les petits carnets. C'est ça qu'il voulait, le shérif? Il n'y a que des chiffres. Département de l'eau et de l'énergie, $12,000. Et $8,000 pour une agence immobilière dans l'Est. Il y en a des centaines comme ça. C'est pas Hey, est-ce que ça va? J'ai rien. C'est juste... toute cette merde qui nous est tombée dessus. Vous, moi, le shérif, ma famille, si vous saviez ce que j'ai vu depuis quelques semaines, ça me donne envie de vomir. Ça doit pas être facile. Moi aussi, je détestais ma vie à ton âge.
T'étais en surpoids. Mon père était jamais là. Le mien, si. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, mais de vous dire que c'était pas fait pour vous? Bien sûr. J'étais mécanicien d'aéronef avant. Je réparais des Boeing 747, des petits Cessna, tout ça. Mais quand j'étais petit, les avions, je me voyais plutôt les piloter. En fait, je voulais même devenir instructeur de vol. Qu'est-ce qui vous a retenu? La famille? Je sais pas. J'ai fondé une famille et ça m'a rendu vraiment heureux. J'ai peut-être oublié ce rêve-là parce que j'en ai trouvé un autre. Mais vu comment ça s'est fini, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer. J'ai toujours eu envie d'être garde forestier. Je voulais aller là où il y a tous les geysers. Comment ça s'appelle déjà? Yellowstone. Ouais, voilà. Le parc de Yellowstone. Ça doit être tellement cool de voir l'eau jaillir dans les airs. Ah oui, ça fait chut. On va survivre à cette nuit. Et peut-être qu'on aura l'occasion de repenser à ce qu'on veut faire de notre vie. Épithète. Il faut qu'on y retourne. Épithète. Celle-là, elle arrête pas de fumer. Vous avez été marié? Oui, avec la mère de Vince. J'ai eu une femme, moi aussi. Elle trouvait que je buvais trop. Alors elle m'a quitté. Hey, ça me revient. Le bar de Sharon. Vous seriez pas venu ici il y a quoi, 15-20 ans? Vous aviez dit que vous étiez un commercial en déplacement, non? Hey, écoutez, mon vieux. Lâchez l'affaire. Hey, on l'a trouvé. Regardez-moi ce duo de choc. On dirait Thelma et Louise. Vache. La vache. C'est quoi tout ça? Les shérifs sont élus, non? Tous ces noms avec les montants à côté. Ils distribuent peut-être des pots de vin? Il en distribue, il en reçoit. Et à mon avis, c'est loin d'être tout. Ça fait des années qu'il est pourri jusqu'à la moelle. J'arrive pas à croire qu'il est tout noté. La route 66. Je vais parler au shérif. Shérif, j'ai ton petit carnet. Je suis en plein dedans. Dante, c'est Sharon. La taupe que t'as essayé de nous envoyer t'a trahi. J'ai récupéré ton carnet noir et je vais me faire un plaisir de faxer des pages aux journalistes. Sauf si tu m'envoies ce foutu bus dans la demi-heure. Il arrive quand, le FBI? Dans moins d'une heure. Très bien, Sharon. T'as gagné. Vous êtes sûr, chef? On peut encore attendre. Faites-moi venir ce bus. Ils vont encore attaquer avec le bus ou bien, ou pas? C'est trop dangereux. Ces flics là, ils tirent d'abord et posent des questions après. Est-ce que ça va? N'importe mieux quoi. Maintenant. On était tous d'accord pour prendre des risques. Je vais pas vous laisser. J'ai peur. Moi aussi. Oh Zeus. Ça devrait plus tarder. S'il nous arrive quelque chose, Vince. Bon, on va où une fois dans le bus? À la frontière, en croisant les doigts pour qu'on n'ait pas à s'arrêter faire le plein. J'arrive pas à m'empêcher de penser à tout ce qui pourrait dégénérer dehors. Je sais. J'ai réfléchi à l'accord qu'on m'a proposé. La clause de discrétion, l'argent en échange de mon silence. Ah oui? Si on sort d'ici vivant, je sais ce que je veux faire. Accepter l'argent. Je change, hein. Je fais tous les trucs différents que j'ai fait avant. Le papier et accepter le chèque. T'avais raison. Il est temps de tourner la page. Non, j'aurais pas dû te mettre la pression. C'était moi qui voulais tourner la page. Écoute, ce qui est arrivé, c'est du passé. Je peux rester là à me morfondre ou profiter de ce chèque pour nous offrir une nouvelle vie, tu comprends? Je crois que c'est une bonne idée, oui. Tu veux dire qu'on va juste... Argent. On pourra pas rentrer chez nous, alors? Vince. Sois pas con. Tu te rends pas compte qu'il est trop tard. J'ai beaucoup réfléchi aussi ces derniers jours. Je suis désolé, Jay. On peut faire... Il faut que je te demande quelque chose. Je t'écoute. Divorce? L'autre soir, quand j'ai reçu ce texto et que je t'ai dit que c'était pas important, tu m'as fait confiance. Pourquoi? Est-ce que tu m'as trompé? Michel, est-ce que t'as quelque chose à me dire? C'était pas prévu du tout. Mais
Tu vois, c'était une année tellement compliquée. Et Bruce était... Je sais pas trop. Il était là. C'était aussi bête que ça, mais ça n'a pas duré longtemps et ça voulait rien dire. Est-ce que tu pourras me pardonner ? Je ne sais pas trop. C'est pas si simple que ça. Vince, je suis... S'il te plaît, arrête. Et oui, elle a trompé, les amis. C'est comme ça, c'est la vie. C'est malheureux de trahir la confiance. Voilà. Tout le monde fait des erreurs. Après, on les regrette. Ah, le bus est arrivé. Notre seule chance de sortir d'ici ce soir, c'est ce bus. On place les otages aux fenêtres et on se met au milieu. T'es sûr de ton coup ? Je vais pas te mentir. Je suis sûr de rien. Mais je sais de quoi cette famille est capable. Pourquoi est-ce que le châssis est si... Ah non, ils vont encore attaquer. Ah, genre débutant, j'aime bien. Une semaine plus tôt, dans Turok County, dans le comté de Turok. On va voir avec le père. Ça va être des scènes un peu dures. Surtout que je vais faire les mauvais choix, donc... Tu sais, je comprends pourquoi t'as cafeté à ta mère pour la dette. Mais maintenant, ça la tracasse, tout ça. J'ai voulu bien faire, c'est tout. J'sais bien, mon grand. Mais parfois, un petit mensonge, ça évite de gros soucis. Tu comprendras ce que je veux dire un jour. Elle croyait qu'elle pouvait m'aider à m'en sortir, tu sais. Tout ce qu'elle voulait, c'était un bon mari qui l'aime en retour. Personne veut finir tout seul. Et surtout pas ta mère. Alors, quand une femme comme ça dit qu'elle voudrait que tu dégages... Eh ben... Tu finis par te demander si elle a pas raison. Peut-être que ma famille a plus besoin de moi. T'es jamais là de toute façon. T'es jamais à la maison de toute façon. Quand je suis pas là, elle m'en veut. Et quand je suis là, c'est pareil. Il y a jamais rien qui va. Ici. C'est de l'autre côté, l'hôpital. On va pas à l'hôpital. Hein? Fais ce que je te dis. Dis pas... Comment tu t'es blessé à l'épaule, au juste? T'es un bon gars. Je sais bien qu'il faut pas avoir de préféré, mais... Tyler ressemble trop à sa mère, et Dale, il tient trop de moi. Toi, t'es différent. Je peux te parler, fiston. Je te fais confiance. Mmh.
pourquoi on s'est arrêté là. Aide-moi à sortir cette bâche de la peine. C'est lourd. Pas. Y'a quoi là-dedans? T'es prêt? Soulève! Continue! Allez! Oh putain! Il est mort? Jay, je veux que tu m'écoutes. Il avait la montre de mon père. Je voulais juste la récupérer, mais... il a pas voulu me la rendre, l'animal. Il m'a attaqué. Alors je l'ai tapé aussi. Mais trop fort. Il s'est cogné la tête en tombant. J'ai pas fait exprès de le tuer, mais j'ai paniqué. Tu l'as tué? C'est quand même ta faute s'il est mort. Non. C'était lui ou moi. J'ai voulu vous protéger. Je sais bien que t'en as pas envie. Mais c'est trop tard pour faire demi-tour. Fais-le pour moi, mon grand. Putta Vierga de Santa Maria. Il a dit que si je lui donnais la montre, on aurait plus de temps pour payer. Avec des intérêts en plus. Ces gens-là, c'est des requins. Fais-leur une goutte de sang et te bouffe tout cru. J'aurais jamais dû lui donner la montre. C'est pas n'importe quelle montre, fiston. Je te l'ai dit. Je la tiens de mon vieux père. Et un jour... oh ya. Regarde s'il l'a encore sur lui. Je sais pas si je peux faire ça, pas. C'est toi qui lui as donné la montre. Alors maintenant, tu la récupères. Fouille-le. Fouiller la poche. Je l'ai. Bien. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Un petit coup de pelle. Creuse. S'il te plaît, tu peux pas me demander ça. Jay, écoute-moi. Personne ne le retrouvera jamais. Si on fait rien, ses employeurs... s'il te plaît, je te demande pas ça pour moi. Pense à ta mère. Pense à tes frères. T'es le seul en qui je peux avoir confiance. Attrape cette pelle. C'est horrible. Je peux pas. Désolé. Quand on veut que le boulot soit bien fait, faut le faire soi-même. J'avais la moitié de ton âge. J'ai eu un jeune cheval. Un poulain magnifique. Je le montais tous les jours. Puis, un été, il m'a jeté à terre. Il s'est mis à ruer et à mordre. J'ai eu de la chance de pas y rester. Le lendemain, mon père me tend son fusil. Et il me dit, quand un animal tourne mal, il n'y a rien à faire. Par l'achever. Je sens encore le whisky dans son haleine. Il tient le cheval. Il compte jusqu'à toi. J'appuie sur la détente. Je l'ai détesté pendant des années. Mais j'ai fini par comprendre qu'il avait raison. Il fallait le faire, fiston. Tu m'entends? Il fallait le faire. Pitié. Aide. Il n'est pas mort. Faut qu'on l'enterre avant. Aide-moi. Crois-moi, fiston. Ça vaut mieux pour lui. Aide-moi. Enterre-le. Fais-le, Jay. Vas-y, Jay. Allez, c'est terrible, mais on va le faire. Obéir. Ah, c'est dégueulasse. Oh putain. Désolé. Oh,
Ah, c'est dégueulasse. Bon, si vous voulez pas voir ça, faut regarder l'épisode où je fais toutes les bonnes actions. Il fallait le faire. Enterré vivant. Ben voilà, ça c'est fait. Le mec, il est traumatisé, le gamin. Acceptez la bière. À celui qui tombera le dernier. Tu prends bien soin de la montre de ton grand-père, hein? Cette montre, elle donne l'heure au Holt depuis la Grande Dépression, quand même. Garde-la précieusement. Mmh. Ce que je t'ai demandé de faire cette nuit, ce que t'as dû faire, c'était pas juste pour moi. C'était pour nous tous. Je sais que je suis dur avec toi des fois. Peut-être que je suis qu'un bon à rien. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices, Jay. J'ai fait la guerre. J'ai réglé son compte au type qu'on a enterré ce soir. La famille, ça demande des sacrifices. Même pour un vieil ivrogne comme moi. Qui est malade. T'arrêtes pas de parler de la famille, mais... tu bats Tyler et Dale. Et t'es méchant avec moi. Oh, peut-être bien qu'ils me pardonneront. Un de ces jours. Ces menaces, c'était du sérieux. Hein. Les gens qui l'ont envoyé, ils vont venir s'en prendre à nous. C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je leur laisserai pas ce plaisir. Bon, allez. Va te coucher. Je vais réparer le toit que vous avez foiré, toi et tes frères. Bon, ça va être le moment du suicide, je pense. Donc, fermez vos yeux. Si vous êtes sensible, ne regardez pas la suite. Allez plus loin dans la vidéo. Sharon, t'as pas toujours eu raison, mais tu t'étais pas trompé sur mon compte. Fais marcher l'assurance, elle comblera la dette. Pardon pour tout. L'assurance vie, ça marche pas sur les suicides. Pas. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Laissez Bert. De toute façon, on ne le sauve pas. Un bord de plus. Conséquence. 27 ans. Je savais qu'il avait ses démons, mais nom de Dieu, Bert, pourquoi tu m'as rien dit? On aurait pu arranger ça ensemble. Son assurance, elle marche pas en cas de suicide. Bah ouais, j'avais dit ça. Qu'ils sont au courant. On a une semaine pour régler la dette. Après ça, ils prendront la maison, les bagnoles, et ils finiront par s'en prendre à nous. Elle est ancienne. Elle a de la valeur, je crois. Vieux machin. T'as du toc. C'est du toc, crois-moi. Il a même pas réussi à la refourguer. Vous
voulez mon avis? On n'a qu'à braquer la banque. Pourquoi pas? Si on s'y prend bien. Hé, hey, pas si vite. Personne n'ira braquer la banque. C'est trop risqué. Par contre, j'ai peut-être une autre idée. Desert Dream Motel. Quelqu'un pour me couvrir! Attention! Rendez-vous! Vous êtes encerclés! Abattez-les! Abattez-les! Ça donne le médicament. Ah oh, c'est con, j'y arrive pas. T'es coincé ma biche, je peux pas y arriver, j'arrive pas. C'est dommage hein. Eh oui, je n'y arrive pas. Je sais pas pousser le bouton là. Tu vois, c'est à cause de Bruce. Ah j'y arrive pas, c'est trop lourd. Ah c'est vraiment trop lourd là, tu vois. À cause de Bruce c'est trop lourd. Ah. Aïe aïe aïe. Allez, un mort de plus. Oui bye. Ah ouais, fais-le pour Zoé, s'il te plaît. Eh oui, c'est triste, hein. Allez, mon grand. On peut pas rester là. Je sais, je vais aussi vite que je peux. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah non, c'est pas bon, ça. Il faut qu'on sorte, et vite! Je le lâche, il fait quoi? J'ai envie de voir. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je tue tout le monde. Je suis psychopathe. Il s'est cassé la jambe. Ah, ça fait mal, hein, ouais. Ah, je suis nul, hein. J'ai pas pu le sauver non plus. Ah ça va craquer là. Oh là là, encore un peu j'étais mort aussi là. Vince, qu'est-ce qui se passe? N'attendez pas, éloignez-vous du bâtiment. Ouh,
c'était pas trop gros. Ah, c'est coincé. Il a des bons genoux, lui. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Michel. Je dis, c'est la version triste. Aïe, le petit chien. Ah, c'est le flic, il m'a tasé. Salopard. Je te laisse imaginer le maximum. C'est vraiment pourriture ce shérif. Coburn, vous êtes toujours derrière ? Est-ce qu'il vous faut des renforts ? Négatif, Coburn. J'ai les choses en main. Où est Sharon ? Où est le carnet ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Je te faisais confiance pour faire le bon choix. C'était pas compliqué. Et t'as choisi de les aider eux, plutôt que moi. Ils m'ont obligé. Attendez, ils m'ont pas laissé le choix. Je comptais vous le rendre, je le jure. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Les Holt, ils sont insignifiants, vite. Cette ville n'est rien sans moi. Même mes adjoints les plus loyaux évitent de poser trop de questions, tu comprends ? Ce carnet-là, il pourrait faire tomber beaucoup de têtes. Y compris la mienne. Alors je veux savoir... Où il est ? Est-ce que t'as fouiné ? Non. J'ai pas regardé, je vous jure. Tu vois, le problème, c'est que j'ai du mal à gober ça. Ici, je te faisais passer un interrogatoire pour en avoir le cœur net. Bah, ça change bien de l'autre version, hein, ça ici. Yep, un petit coup. Où est-ce que tu vas comme ça? Vince, je veux seulement te poser quelques questions. Dis-moi, qu'est-ce que t'as pu découvrir pour me faire toutes ces cachotteries, hein? Ah, j'ai bien fait de pas aller dans la salle de bain. Bouh! Surprise! Aïe. Ah, ça fait mal. Rapport d'incident. J'ai tenté d'interroger le témoin dans une chambre du motel. Le témoin s'est montré hostile et agressif. J'ai pas eu le choix. J'ai dû lui mettre un bon coup de taser. Je t'emmerde, shérif. Dans l'eau, dans la fiotte. Ah, ça fait mal, hein. La tête dans les chiottes, le flic. Trop bien. Oh, Zoé. Regardez qui j'ai trouvé en train de se glisser sous le portail. Laisse-moi. Tiens, tiens. D'où tu sors, toi? Ils sont où, maman et papa? Je peux être sûre qu'ils vont bien. C'est la fille de Vince. Les flics étaient censés la surveiller. Tu vas faire un tour en voiture ? Laissez-la. Pas question. Zoé. Qu'est-ce que tu fais là ? Je te croyais dans la voiture. La policière avait laissé la porte ouverte et je voulais te retrouver. On la garde jusqu'à ce qu'on soit loin d'ici et en sécurité. Laissez-la partir. Lâchez-la. Je le répéterai pas. Écoute, c'est notre seule chance.
Avec la gamine à l'arrière de la voiture, les flics oseront jamais tirer. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Ah oui? Lâchez ça! Ah merde. Bien joué. Jay, rien ne t'oblige à faire ça. Vous voulez bien baisser votre arme? Je veux pas que quelqu'un soit blessé. Continue de viser. Seulement s'il relâche son... Je te l'ai dit, c'est hors de question. S'il vous plaît, lâchez ça, j'ai dit. Je vais pas l'écouter. Vous l'emmènerez pas. Je vous laisserai pas faire ça. Alors descends-le, Jay. Vas-y. Non, il va pas le faire. La famille, ça demande. Ah merde. J'ai déjà fait trop de sacrifices. Bien, bien, Jay. Oh, mon grand. Je sais bien. On va faire ouvrir le portail et démarrer la voiture. Papa ! Zoé ! Il a pété le genou là. Zoé. C'est dur cet épisode, hein. Ah, fucking Bastard International est arrivé. Lawrence Bradley, FBI. Bordel, c'est un vrai carnage. On a trouvé le shérif inconscient. Tous les autres ont été pris dans l'explosion. Quatre agents sont morts. Et d'autres risquent de succomber à leur brûlure. Et aucune trace des criminels. Faites décoller un hélicoptère. Trop tard, ils sont partis. Parfait. Malheureusement avec la petite fille. Jusqu'à ce qu'on ait passé les rails. Je te jure, si Bear nous voyait... Arrête de parler de lui. Tout ça, c'est à cause de ces conneries. Il a été lui-même jusqu'au bout. On voit où ça nous a menés. Aïe, 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 elle vient avec nous la petite. Je ne pleure pas. Ça va aller. Faut pas pleurer. C'est pas ma voiture. La mienne est le rouge. Ah, ça c'est elle qui a les plus grandes. Dans la piscine. Cette zone tout s'obscurcit. Où les pensées cessent. Et les souvenirs meurent. Il y a de quoi être traumatisé pour un petit gosse. Oh. Ah oui, on va voir le passage avec le train. Maman, qu'est-ce que je fais? Ça va le faire. Continue de rouler. Run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Prends le relais.
J'ai trop de souvenirs pour tout oublier. Pas juste le motel, mais tout ce qui s'est passé après. Je ne vais pas beaucoup dormir ce soir, comme d'habitude. Je réessaierai demain. Go tell that long tongue liar. Go tell that midnight rider. Les amis, c'est fini. Ce troisième épisode, chapitre 3. One collision. La famille avant tout, espiègle, esprit vif. Pas mal, pas mal. Mais voilà les amis, c'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Il était très très dur, bien sûr. Mais c'est comme ça. C'était, on a choisi les mauvais... les trucs. Et voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Suite au prochain épisode.